J'enseigne des cours de rythme et de percussion persane à l'école d'Arcadie. Là, les percussions persanes, je peux le montrer. Et donc, ça, c'est un tombak, l'instrument principal, qui est sous forme calcique, en une seule pièce de bois. Elle est taillée dans une seule pièce de bois, recouverte par une peau de chèvre ou de veau. Il y a des ornementations très, très importantes, des techniques de frappe très complexes. Mais dans notre travail, on essaye d'aborder d'abord comment on perçoit le rythme et comment on peut l'entendre et le reproduire. Donc, c'est vrai, on utilise d'une manière classique le métronome, mais on essaye de travailler aussi avec de la poésie, des chants et d'autres matières qui ont des rythmicités complexes. Dans ce travail, on se base sur des motifs rythmiques iraniens. On essaie d'apprendre des mots, des phrases, et ensuite on apprend les grammaires. Par exemple, un rythme très simple, connu. Après, on passe à l'inverse de ça. Ensuite, on fait encore l'image inverse de ce rythme. Et encore l'image inverse. Ensuite, tout doucement, on essaie de développer les phrasés et la grammaire de ce travail rythmique. Par exemple, si je prends en 6-8, aussi, on aborde, on ne se limite pas au travail uniquement de la tradition orale de Tombak et ses motifs. On utilise aussi des poèmes, par exemple des poèmes persans, ça peut être aussi des poèmes français, pour rentrer dans le rythme du poème. Par exemple, si je prends un poème à 7 ans, Hilat raho kon oshero, divanesho, divanesho, tan tan tatan, tan tan tatan, tan tan tatan, tan tan tatan. Tan tan tatan, tan tan tatan, tan tan tatan, tan tan tatan. Un, deux, un, deux, un, deux, trois. Un, deux, un, deux, un, deux, trois. Un, deux, un, deux, un, deux, trois. Et ainsi de suite. Dans ce travail, on s'appuie sur la poésie, sur sa musicalité et sa rythmicité pour donner de la ressource à l'inspiration. Dans tout ce, on essaie, on travaille aussi avec le chant. On chante avec l'instrument. De cette manière, on trouve une distance, comment dire, un espace nécessaire pour qu'on ne soit pas dans la flamme de l'instrument, pour qu'on puisse respirer aisément avec l'instrument. Puisque le chant reste quand même la note principale, le fondement de notre approche.
Donc je vais présenter et animer un stage, un atelier musique traditionnelle à l'association Arcadie. Donc je m'appelle Bastien Clochard, je fais du violon, du Poitou-Charente. Voilà, ça sera le matériau de base, notre répertoire sera issu de cette culture-là. Donc ce répertoire instrumental est souvent lié à la danse, mais il y a aussi également, on peut emprunter d'autres choses, il y a également des choses à écouter. Voilà, il y a moult matériaux à travailler. Et on travaillera ce matériau-là avec les gens qui seront présents. Donc c'est très modulable. Tout instrument sont les bienvenus. Et on travaillera ensemble pour... Voilà quoi. Alors je propose des cours de flûte à bec cette année à l'école Arcadie. Alors donc la flûte à bec, un instrument qu'on rencontre principalement aux époques donc de la Renaissance et période baroque, c'est un peu les périodes phares de l'instrument. On trouve un très grand répertoire où c'était un instrument plus populaire au moins autant que le violon l'était, ou la viole. Donc c'est un... Donc le répertoire est surtout ici issu de cette époque-là, même si ça traverse de façon plus large l'histoire de la musique. On trouve déjà du répertoire à la fin du Moyen-Âge et encore aujourd'hui à la période contemporaine. Et la flûte commence un petit peu à s'ouvrir sur d'autres horizons. On commence à l'apercevoir un petit peu dans les répertoires de jazz, beaucoup en musique traditionnelle, où elle a déjà un répertoire implanté. Et donc... plus que jouer de la flûte à bec, mes cours s'axeront aussi sur la découverte du répertoire, des répertoires, s'attacher un petit peu à tout l'environnement de la flûte à bec, et donc évidemment repartir en sachant, en possédant l'instrument au minimum. J'ai plus rien à dire. Donc si l'instrument vous intéresse, vous pouvez contacter l'école Arcadie en demandant Thomas Thiébaud. Ben voilà. Vas-y, viens, viens, viens. Tu viens, moi, si Thomas. Tu viens, t'amènes tes amis, ta famille, ta grand-mère, tous, tous y viennent.